ma préférence. Bien, alors c'était avec le groupe Gaël que d'air de la nostalgie. Hein. Mais nous recevons quelqu'un d'eux qui a vraiment évolué aux côtés de cette célèbre personne, à la personne de papa Alain Moloto, qui n'est plus paix à son âme. Mais quand même, il y a ce fruit qui reste en train de parler, comme lui-même avait chanté dans l'un de ses albums, Le fruit de mes lèvres. Frère William, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir reçu. Nous sommes très contents aujourd'hui de partager avec vous cette émission Vie mes gosses dans notre rubrique Le visionnaire. Merci beaucoup, je suis aussi ravi. Merci. Jésus, ma préférence. Jésus, la référence. Mm-hmm. Il est digne de révérence. Jésus, ma préférence. Le sujet de mon espérance. Jésus, la référence. Jésus, la référence. Il est digne de révérence. Jésus, ma préférence. Le sujet de mon espérance. Mais il y a combien de temps déjà que ce titre a eu à bénir beaucoup de personnes sur la ville de Lubumbashi? La chanson? Oui, donc, la chanson. Ça fait, c'est depuis 1999-2000. Wow. 99-2000. Yeah. Mais vous sentez que ça garde encore sa véracité, son authenticité. Yeah, yeah. À chaque fois que vous chantez ces chansons-là, c'est comme si c'est composé hier. Hier, franchement. Donc, les paroles sont profondes, la mélodie et tout ça, c'est vraiment inspiré. Ça véhicule vraiment la puissance du Saint-Esprit dans ces chansons-là. Wow. Alors, dites-nous un peu, avant que nous puissions quand même vous présenter très bien, comment sentiez-vous être aux côtés de cet homme adorateur, le vrai adorateur? Le sentiment que je peux, disons, exprimer, c'était dire que je bénissais toujours le Seigneur d'avoir accompli une chose où je demandais quand j'étais enfant et que le Seigneur me mette à côté de quelqu'un qui va me former, qui va m'encadrer dans la louange et l'adoration. Puisque je jouais dans un orchestre, bon, un orchestre, vous voyez, les orchestres se diffèrent. Il y a des orchestres qui ne jouent qu'à la musique, mm-hmm, normalement, mais Gaël, c'était pas seulement de la musique, c'était vraiment une école d'adoration. Très bien, alors vous venez déjà de nous dire que c'était depuis votre enfance. Alors pouvions-nous rapidement savoir qui est le frère William David Okabamba que nous recevons évidemment pour le compte de Visionnaire pour cette émission Vie mes gosses? J'ai commencé dans une chorale, j'étais encore enfant, j'ai commencé dans une chorale, on chantait à ce qu'on appelle tonique solfa. Okay. Alors c'est par après que j'ai commencé à apprendre à jouer aussi à la guitare. Et après, j'intègre un groupe, là, j'étais le seul petit d'ailleurs, Ambassadeur pour Christ. Okay. C'est là que j'apprenais. Ambassadeur pour Christ, ouais. Alors, c'est là que j'ai appris à jouer à la guitare, j'ai appris aussi certaines choses dans la musique en général. Mm-hmm. Et c'est bon, je vous dirai, je veux vous relater comment est-ce que j'ai pu commencer dans Gaël. Et c'est de là maintenant que j'ai évolué dans un autre cadre, je peux dire, la louange et l'adoration. Mm-hmm. Mais sinon, au début, les gens m'ont connu sous le nom de Willy Kabamba. Willy Kabamba. Et c'est okay. Par après, par révélation, que voilà, on m'a donné le nom de David. Mm-hmm. Et j'ai, disons, amélioré pour dire, mm-hmm, que non, voilà, au lieu de Willy David, autant mieux William David, parce que le Willy, ça vient du nom William. William. Bon, ok, très bien. Alors, frère David, parlez-nous un peu de votre parcours au sein du groupe Adorant l'Éternel Gaël en cycle. Il y avait une fois, j'allais jouer à la guitare à l'église pentecôtiste de ma campagne. À cette époque-là, je dirais que la situation était vraiment très délicate, à tel point que, bon voilà, même pour étudier, c'était difficile. Les parents... La vie était un peu du genre compliquée. Oui, oui, les parents ont perdu le moyen et tout ça. Alors, après le culte-là, je faisais maintenant le pied pour entrer à la maison, ce que nous appelons l'in 11. Oui, oui. Donc, moi, ma colo, moi, voilà. Spolouqué. Mm.
Alors, sur ma route, je rencontre maintenant une amie qui me dit, est-ce que tu peux m'accompagner chez Papa Alain? Je connaissais je connaissais pas Papa Alain, alors elle me dit, non, c'est aussi un chantre et tout ça. Elle dit, non, moi je suis fatigué, j'ai faim et tout ça, je ne peux pas, je dois rentrer à la maison. Elle insiste. Alors j'ai accepté, on est allé là-bas chez Papa Alain, on arrive chez Papa Alain. Papa Alain n'était pas là, on nous a dit qu'il est déjà parti à Lemba, là où il y avait la répétition du Grand Cœur. Ouais. Alors, elle me dit, non, est-ce que tu peux m'accompagner à Lemba? J'ai dit, non, 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 non. Déjà, pour venir à Jamaïque, j'ai eu du mal. Oui, et puis bon, je n'ai même pas le transport. Elle me dit, non, moi, je vais te payer le transport. J'ai dit, mais même si tu me payes le transport, moi, là, donc, je suis déjà fatigué, j'ai faim, je dois rentrer là et manger. Elle me dit, moi, je vais te payer, alors... à manger. Je n'avais plus de raison. J'ai dit, bon, allons-y carrément. Alors, nous sommes allés, on a pris un taxi, on arrive à Victoire comme ça. On rencontre Papa Alain. Papa Alain, maintenant, on se présente là à Victoire, disons, il prenait aussi le taxi et on était là, le transport était à cette époque-là vraiment très difficile. Alors, on a fait connaissance. En arrivant maintenant à Lemba, là où il y avait la répétition, après la répétition, c'est alors qu'il m'a présenté aux autres, dire que non, voilà, nous allons travailler, c'est le frère William, nous allons commencer à travailler aussi avec lui. Et moi, la première fois où j'étais venu, j'ai seulement vu, avec l'atmosphère qui était là, le Seigneur m'a dit, c'est là que je veux que tu sois. Wow. Et comme le Seigneur lui-même m'a convaincu d'être là, alors j'ai... Les répétitions qui suivaient, je faisais maintenant moi-même mes efforts pour venir. Donc, je pouvais faire des grandes distances à pied, je paye peut-être le transport pour un petit tronçon là. Là, nous rappelons que c'était vraiment la grande équipe, la grande équipe avec le frère Franck Moulaja et autres. À cette époque-là, Gaël était une émission aussi. Ah, okay. Émission Adorons l'Éternel à la radio Samomalam. Oui. Alors, c'est la première séance où je suis arrivé. Papa Franck me regarde comme ça, il trouve que je suis trop petit. Il se pose la question, mais est-ce que ce petit-ci va vraiment, tenir le coup? Alors, la deuxième séance, quand j'ai pris la guitare, j'ai joué et Papa Franck a été convaincu par cette façon de jouer. Il me demande de me lever et puis bon, demande aussi au grand cœur d'applaudir. Non, ce frère ici, c'est vraiment un frère que Dieu nous a envoyé. Quand il joue, nous sentons vraiment la présence du Saint-Esprit. Et c'est alors que Papa Franck maintenant demande à Papa Alain, est-ce que Willy peut commencer à assister à l'émission à la radio. Et papa lui dit, non, moi, j'ai pas de problème et tout ça. Et c'est comme ça que j'étais parmi les gens qui faisaient aussi l'émission à la radio Sangomalam. Alors, c'est vraiment une très bonne petite histoire, votre parcours talentueux par rapport à l'intégration dans le groupe Gaël. Là, c'était Gaël Kinshasan. Alors, d'ailleurs, merci à Cathy Katalay, David Kabamba qui réalise cette grande émission. Nous sommes évidemment chez l'un des grands partenaires de cette émission Prestige, le Prestige qui reçoit cette émission sur ce beau cadre, ce beau plateau pour présenter cette émission. D'ailleurs, voici l'image qui s'affiche où vous êtes en train de reconnaître évidemment le visionnaire que nous sommes avec nous sur ce plateau. Et là, c'était vraiment le frère Franck Moulaja, Papa Alain. Quand c'était, ça fut un moment. Alors, frère William, et parle-nous un peu aujourd'hui de restaurateur. C'est vrai, les gens, ils ont quand même, on a rafraîchi mémoire là-bas. Tout le monde que Penza Obalobi, ya solo, yo osa Penza Moananda. Maintenant, aujourd'hui, tu viens avec un album restaurateur. C'est toujours Gaël qui produit ou bien cette fois-ci vous êtes senti que vous avez un peu grandi, vous voulez faire un pas de plus par vous-même? Par la grâce de Dieu, je suis en train de me produire, je me produis moi-même. Mais ce que je voudrais souligner est que depuis qu'on avait commencé dans Gaël,
dans les projets de papa Alain, c'était, il pouvait, donc il avait permis à ce que chacun puisse avoir aussi son album. C'était ça dans le projet. Ok. Voilà pourquoi est-ce que même Francis s'est mis à sortir un album. Et d'ailleurs, même quand on était dans Gaël, papa Franck avait son album aussi. Nouvelle Jérusalem. Oui. Même lui-même, papa Alain, avait aussi son album. C'est comme ça que vous allez remarquer qu'il a fait aussi le fruit de mes lèvres, mais tout en étant dans Gaël. Et Pasteur Atoms pouvait aussi faire son album tout en étant dans Gaël. Le culte. Oui, donc l'album ne veut pas dire que la personne se retire du groupe. C'est dans ce projet-là que j'ai fait cet album Restaurateur. Alors, comme vous avez fait l'album Restaurateur, aimables téléspectateurs, nous allons devoir vous laisser d'abord suivre ce clip promotionnel qui passe en exclusivité, je le confirme, dans cette émission Vu mes gosses, dans cette grande rubrique Le Visionnaire. On va devoir découvrir ce titre bien réalisé évidemment par le frère Williams David Kabamba. Je retrouve juste après pour en discuter bien avec le réalisateur attitré Cathy Katalay. J'ai besoin de toi dans ma vie, Saint-Esprit.
besoin de toi dans ma vie, Saint-Esprit. De plus, ces titres a fait énormément grand plaisir à vous, aimables téléspectateurs de partout où vous êtes en train de nous regarder. Merci donc à mon ami Kapanga, là, le coiffeur champion, également patient main d'or. Nous sommes donc Caps Coiffure des usines Coin Camagnola. Donc, coup de chapeau à vous. Merci encore une fois de plus à ma femme Tina Mitteo, qui est toujours une bonne partenaire sur cette grande émission, avec beaucoup de conseils. Et merci encore une fois de plus à monsieur René Numbé de Transcat, qui également suit cette émission. Alors, Papa Williams, nous venons de suivre Torrent du Ciel, le titre d'air promotionnel, oui, si nous pouvons le dire, de votre tout premier chant de ce nouvel album Restaurateur. Alors, qu'est-ce que les gens peuvent retenir du Torrent du Ciel? Torrent du Ciel, je parle du Saint-Esprit. Pour moi, c'est une prière. Mm-hmm. C'est une prière où je dis, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, viens. Parce que le Saint-Esprit est la seule personne qui nous a été promis. Très bien. Pour nous consoler, nous révéler, nous encourager dans ce monde de tourments. Mm-hmm. Sans le Saint-Esprit, on ne pourra jamais arriver. Évidemment. Et aussi, nous donner un caractère de Christ. Mm-hmm. Donc, sans ce caractère-là, on ne peut pas être appelé chrétien. Mm-hmm. C'est comme ça que dans cette chanson, je dis, viens, Saint-Esprit, viens, façonne-moi, vivifie-moi. Mm-hmm. Alors, ce titre, je vois les images, on dirait, ça a été tourné un peu du côté États-Unis, Toronto. Non, ça a été tourné en Afrique du Sud. Ah, ok. Et par l'aide du Seigneur, j'ai fait un clip promotionnel. Je pense qu'avec le temps, je pourrais faire aussi les clips pour d'autres chansons. Peut-être aussi faire juste un live, parce que ces chansons sont des chansons de méditation. Mm-hmm. Alors, ça serait mieux, mm-hmm, que je fasse, que j'aille un moment d'adoration que je peux utiliser comme image. Ah, ok. Ça, c'est une très bonne chose. Je vois que vous avez des visions d'aller vivre un peu ailleurs. Parce que comme tout artiste, toute star, il veut toujours aller vivre un peu sur un sol étranger. Nous dépendons du Seigneur. Nous dépendons du Seigneur, de la directive du Saint-Esprit. Nous sommes des missionnaires, nous allons là où le Seigneur nous appelle d'aller. Nous ne faisons pas un programme, non, moi je veux aller vivre en Europe ou aux États-Unis et tout ça. Mais si le Seigneur fait en sorte que je puisse aller aux États-Unis, ça serait aussi pour, dans le cadre toujours de la mission, apprendre ou contribuer pour le corps de Christ et tout ça. Donc nous nous sommes donnés au Seigneur. Nous dépendons du Seigneur. Je ne peux pas faire un programme qui est le mien. Très bien. Alors, nous voyons votre nouvel album Restaurateur qui contient apparemment 10 titres. Pouvions-nous rapidement le reconnaître? Oui, l'album a 10 titres, mais 2 j'ai compilé. C'est comme ça que c'est 8 titres, mais 2 sont compilés. Okay. Donc, je peux dire 10.
mais deux entre eux sont compilés. Il y a la première chanson, Nkolo na Bolingo, et puis na Monité, et puis la sixième chanson, Puissant Guerrier, et puis Je t'aime. Alors, c'est quoi le message de ce huit titres que vous avez à faire? Le message profond de Restaurateur. C'est que nous savons que c'est Dieu qui restaure, mais quand nous voyons Nkolo na Bolingo, nous voyons na Monité, nous voyons Torrent du Ciel, nous voyons, nous voici capables. Benga Kayo, puissant guerrier, je t'aime, pain de vie, Matondo. Alors, apparemment, par rapport au titre avec Restaurateur, ça cloche un peu. Restaurateur, c'est tout un parcours. Ce parcours-là, Nkolo na Bolingo, donc c'est lui, le restaurateur, quand il a vu que l'homme a été dans la perdition, l'homme a été perdu, l'homme s'est éloigné de la présence de Dieu. Jésus-Christ accepte de venir. Donc, il a démontré son amour en venant pour sauver maintenant l'homme. Vous voyez. Donc, toutes ces chansons-là riment toujours avec le restaurateur. Okay. Et même quand nous disons merci, Matondo Mingi, c'est parce qu'il nous a restauré. Je partirai par là pour donner un exemple de 10 lépreux qui sont venus vers Jésus. Et Jésus-Christ leur dit, allez vous présenter, les recommande d'aller se présenter au prêtre. Alors en allant, ils ont eu la guérison, mais un seul est revenu vers Jésus pour dire merci. Et il venait en criant, se prosternant, pour dire que non, voilà, je viens reconnaître ce que tu as fait. Et Jésus-Christ lui dit non, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire les autres qui sont partis ont eu la restauration dans leur corps. Ils ont eu la guérison. Mais celui qui est revenu a eu plus que ça. Pas seulement la guérison dans le corps, mais aussi son âme a été sauvée. Alors, au lieu de présenter la restauration, parce que la restauration, n'importe qui peut avoir cette grâce-là d'être guéri, d'avoir la restauration au niveau du corps, mais la restauration dans l'âme, ça c'est seulement quand on revient vers le Seigneur, quand on vient se prosterner vers le Seigneur. Alors, c'est la personne-là que je présente, Jésus-Christ, qui est le restaurateur. Alors, une petite rubrique, nous avions oui entendre dans le couloir que vous étiez parmi les toutes premières personnes à amener Gaël Lubumbashi. C'est vrai ou soit c'est seulement, bon, quand on est à l'Obarabango, pour on a le coup. Bon, Gaël, une fois, Papa Alain m'avait appelé. Pour me dire que non, j'ai besoin de toi pour qu'on crée une équipe ici. Mm-hmm. L'équipe devait accompagner la synode. La synode avait déjà commencé. Alors, il m'a dit non, ne passe pas à la télé, mais on va recruter les gens discrètement et puis on crée une équipe. Et c'est alors qu'on a essayé de recruter certaines personnes, on a commencé. Et Gaël, c'était pour accompagner, le Gaël d'ici était pour accompagner la synode. Mm-hmm. Et aussi, il m'avait informé aussi de la vision qu'il avait par rapport à ce groupe-là. C'est, disons, avec la même vision que j'avais déjà, parce que j'avais aussi expliqué à Papa Alain que j'avais un projet. Il avait même écouté la troisième chanson. Je lui ai dit, j'ai un projet, que je veux aller en Afrique du Sud pour aller mixer, masteriser l'album et tout ça, et je veux revenir. Et à mon départ, que j'avais laissé une autre personne pour diriger Gaël, mais dans l'entretemps, j'étais aussi secrétaire de la synode. Mm-hmm. Donc, c'est quand je suis allé en Afrique du Sud que, bon, voilà, moi aussi j'ai appris que, bon, voilà, il y a eu une situation ici que je ne maîtrise pas parce que je n'étais pas bien informé par rapport à tout ce qui s'est passé. Ok. Alors, nous voyons, Restaurateur, apparemment, votre album a été beaucoup composé ici chez nous à Lubumbashi parce que nous voyons dans la participation de l'album Restaurateur, il y a le pasteur Johnny Aron, il y a le frère Ephraim Kendi, il y a Marie-Claire Benda, il y a Sœur Joël Kianza, donc apparemment, ce sont des gens très familiers de la province du Haut-Katanga, de Lubumbashi. Alors, j'ai, par la grâce de Dieu, j'ai commencé le travail ici. Il y a certaines chansons que j'ai complètement enregistrées en Afrique du Sud. Mm-hmm. Et parce que j'avais perdu les données et tout ça, j'ai fait un effort de prendre carrément les données que j'avais parce que je n'ai pas voulu recommencer tout à zéro.
Alors, comme mes frères ont travaillé avec moi, ont fait un bon travail, je n'ai pas voulu perdre ce travail-là. Alors, j'ai essayé de mixer avec ce que j'ai fait là-bas. C'est comme Maton Domingui, pasteur Johnny Aron, a commencé. Et puis, il y a une Soudaf qui a chanté aussi de l'autre côté. C'est une chanson où j'ai interprété, mais avec un arrangement particulier, avec plusieurs langues là-dedans. Voilà. Alors, nous sommes déjà petit à petit, nous avançons à la fin de notre entretien, évidemment pour cette grande rubrique Le Visionnaire, qui d'ailleurs est en train de vous recevoir aujourd'hui en tant que visionnaire de l'album Restaurateur. Alors, avant que nous puissions quand même vous dire un dernier mot, nous savons que lorsque nous recevons le pasteur, des fois il nous donne beaucoup de versets bibliques, il parle un peu de leur ministère, des fois il vous prêche même. Alors, quand nous recevons un artiste, un peintre, il nous vient avec ses tableaux, ce qu'il a déjà réalisé. Évidemment, vous aussi, artiste et musicien, vous avez déjà votre clip d'air qui était passé en exclusivité. Maintenant, cette fois-ci, nous voulons sentir le naturel. C'est pas quel titre que vous prendrez, mais nous voulons sentir vraiment le naturel. Je ne peux rien dans ma vie sans Jésus. C'est lui qui me rend toujours capable. Que pourrais-je faire dans ma vie sans Jésus? C'est lui qui me rend toujours capable. Je ne peux dire que j'ai reçu une chose de ma propre force, si ce n'est le soutien de Jésus. Sur la croix, il a tout accompli. La victoire est certaine pour ceux qui croient en son nom. Il m'a choisi dès le ventre de ma mère. Il s'est porté garant de toute ma vie sur la terre. Grâce à lui, j'ai pu voir le jour. Il m'assure sa protection dans ce monde corrompu. Et je ne peux rien sans la force de Jésus-Christ. Waouh, bravo en tout cas. Ça, c'est impeccable. Là, c'est le titre Capable. Oui. Qu'est-ce que d'ailleurs, vous... la partie du refrain, là, c'est une sœur qui a fait ça. Alors, moi, j'ai essayé d'adapter un peu. Ah, ok. Donc, capable, le message. En disant que je ne peux rien sans lui, tout ce que j'ai eu, c'est par la grâce. Tout ce que je fais, c'est pour lui que je fais. Et la capacité de faire, c'est lui qui m'a donné. Mais en tout cas, une petite parenthèse, en vous écoutant, André, vous êtes prophète, pasteur? Non, je suis qu'un frère simple, un adorateur qui adore le Seigneur. Mais en tout cas, tous ceux qui ont eu à évoluer aux côtés de l'homme de Dieu aujourd'hui, ils ont vraiment le critère d'être pasteur, d'être prophète, évangéliste. Vous savez, je veux vous dire une chose, un adorateur, c'est quelqu'un qui doit normalement apprendre sur la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui doit... Tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. Pour connaître Dieu, il faut lire sa parole, il faut connaître sa parole, il faut à méditer sa parole, il faut aimer sa parole. C'est par là que tu ne manqueras pas les mots pour exprimer à Dieu, pour l'adorer. Tu ne peux pas être un adorateur si tu ne t'intéresses pas à la parole de Dieu, si tu n'aimes pas la parole de Dieu, si tu n'es pas focus dans la parole de Dieu. C'est comme ça que parfois les gens ont tendance à croire que quand on utilise la parole de Dieu, on essaye d'amener les gens dans la louange et l'adoration en utilisant les paroles de Dieu et qu'on veut devenir pasteur. Mais si le Seigneur, lui, dans sa souveraineté, nous appelle à être ainsi, cela va se réaliser. Très bien. Alors, frère William, un petit programme que vous organisez. Quel est votre agenda? Pour le moment, je ne suis pas encore arrivé à Kinshasa avec l'album. Ça va arriver... Donc vous venez... spécialement de l'Afrique du Sud et oui, vous passez directement de cette émission. Oui. Mes gosses. Ok. En fait, j'ai passé quand même un temps ici à Lubumbashi parce que j'ai voulu quand même faire quelque chose, la promotion ici et aller aussi à Kinshasa. Donc,
mon programme, je veux organiser un moment d'adoration, si Dieu le veut, mais si le temps ne me permet pas, là, directement, je partirai à Kinshasa pour aller aussi faire la promotion là-bas. Mais donc, jusque-là, il n'y a pas encore un programme pour la ville de Lubumbashi. Il y a un programme, mais je ne veux pas, donner ce programme-là, et puis si ça ne se réalise pas, les gens vont se dire, ah, ce frère-là, il nous a promis et il n'a pas réalisé. Donc, et surtout que les gens sont vraiment assoiffés de vous entendre, ça fait quand même belle rêve. Ils peuvent se procurer du CD pour commencer déjà. Bien, évidemment, nous y arrivons d'ailleurs. Vous avez réalisé une œuvre en audio d'abord, c'est déjà fini presque. C'est déjà sur le marché. C'est déjà sur le marché. Ils peuvent avoir ça dans toutes les églises de la borne, que ce soit à Kinshasa, que ce soit en Afrique du Sud, ici, partout ailleurs, toutes les églises de la borne, il y a ce CD. Ici à Lubumbashi, il y a aussi l'église Moissonneur, il y a la Grâce, il y a Arche de l'Alliance, Dieu d'Alliance, chez le pasteur Paul sur Mbolo. Il y a aussi Cité d'Expérience et tout ça. Et il y a encore certaines églises où, peut-être avant de partir, je laisserai les CD. Donc, évidemment, peut-être un contact par lequel peut facilement peut-être l'appeler son nom. Ceux qui veulent contacter, ils peuvent contacter le numéro 085 89 63 987. 085 89 63 987. Bien évidemment, vous mettez 243. le code Mboka. Alors, merci beaucoup pour votre participation dans cette émission Vimegos. Je vous remercie aussi beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Alors, nous vous laissons, aimables téléspectateurs. On va devoir suivre juste une petite partie de sa chanson. Je vous retrouve juste après pour vous dire au revoir pour le compte de Vimegos. Dans ton sanctuaire, nous plions nos genoux pour ton honneur. Seigneur, Seigneur, nous voici devant ton trône, exaltant et louant ton Saint Nom. Voilà, merci aimable téléspectateur. Vous venez de suivre notre entretien avec un visionnaire petit talent, petit de grâce, quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu. Vous avez senti en lui la douceur, la patience. En tout cas, il a vraiment le fruit de l'esprit. Je vous confirme. Le numéro qu'il a donné, venez le contacter. Vous ne serez jamais déçu. Donc, je vous dis sincèrement merci pour votre attention très sympathique que vous avez eu accordée à cette émission Vu mes gosses de ce week-end. Également, suivez cette émission chaque dimanche à partir de 13h, 20 minutes en rediffusion chaque dimanche. Et c'est chaque samedi à partir de 20h. Vous savez, avec le CAN ici, le programme est un peu perturbé, mais sinon, nous allons devoir rentrer en ordre. Donc, ici, je suis en train de dire merci au directeur de programme VB Kabambi qui s'attelle chaque fois que le programme soit bien respecté. Merci encore une fois de plus au régisseur qui nous permet d'arriver jusque chez vous, BM, Deo, ainsi que Ruffin, ces hommes très vaillants, ces héros dans l'ombre qui fassent que
cette émission soit une réussite. Merci donc à la supervision générale de Paul Mulongo. Merci à notre, à nos amis du studio Cativision qui nous permet à ce que cette émission soit une réussite. David Kabamba, le caméraman qui nous accompagne toujours dans les grands moments et grands événements. Donc merci à lui. Et Jérémy Kabadi vous dit sincèrement merci. Dans le souci de vous retrouver très prochainement avec un autre visionnaire pour vous bénir. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à la prochaine. Mettra son pied, tu deviens solide. Tu comprends? Aïe, Mungu. Il amène ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ah oui, amen. Donc, amen. Quand on voit la force, c'est quelqu'un qui veut danser pour le Seigneur à tout moment. Si ton mari est menuisier, c'est pas ta conviction, laisse-le le faire. Mais seulement garder l'harmonie du couple et avec l'aide du Seigneur, ça marche bien. Oui, il y a de cela, disons que je chante. Parce que le don, ce n'est pas l'homme, le don, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu dans un homme. Si c'est Dieu qui a voulu que ce soit, qu'on soit là pour chanter, je pense qu'il va prendre soin de nous. Jérémy, écoutez, comme Moïse éleva les serpents d'air dans le désert, de même le Fils de l'homme est élevé. Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, préparons-nous. Mara Maranatha. Suivez chaque samedi à partir de 20h l'émission Vie mes gosses avec Jérémy Kabadi, ce journaliste excellent, enfant des dieux. Il n'est pas seulement journaliste, mais il est aussi serviteur des dieux, modérateur. Apôtre Jimmy Kalenga suit beaucoup cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu est pour nous le Dieu des délivrants. Yesu angwanani pendakae. Anani pendaka, anani jua panjina langwe. Vyote vyake viko vyangwe. Anani pendaka, shalom, shalom, shalom. Chaque samedi à 20h, dimanche à 13h, suivez l'émission Vie mes gosses avec votre humble serviteur Jérémy Kabadi. Une bénédiction pour tous les artistes musiciens d'ici et d'ailleurs. Que Dieu bénisse Vie mes gosses et que Dieu vous bénisse abondamment.